m'appelle Camille Gaillard, donc je suis auxiliaire de recherche au laboratoire du BRAMS à l'Université de Montréal, donc sous la supervision de Simone Dallabella, qui est co-directeur en fait, du laboratoire. Donc en fait, notre projet porte principalement en fait, sur mesurer en fait, les normes perceptuelles et sensorimotrices des personnes en fait, dans une population normale, donc chez les adultes. Et ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est déterminer en fait, des seuils normaux en fait, chez les personnes. Donc par exemple, la plupart du temps, chez les adultes, à partir de quand en fait, on va déterminer si un métronome est aligné avec la perception d'une musique. On utilise en fait, une grande batterie tête qui s'appelle la Basta, donc, en fait, qui se mesure avec une tablette donc, comme ici. Et donc en fait, grâce à cette application-là, on peut mesurer en fait, les capacités perceptuelles des personnes, donc les capacités à entendre le rythme et à le percevoir correctement, et les capacités en fait sensorimotrices, donc ce qui représente en fait les capacités à reproduire un rythme après l'avoir perçu. Nous, on perçoit le rythme en fait dans la musique, principalement dans notre laboratoire, et donc le rythme, c'est vraiment en fait, c'est difficile à dire là, c'est vraiment la pulsation de la musique. Cette journée-là, c'est vraiment ça, une occasion pour faire connaître cet outil, et puis aussi peut-être offrir la possibilité des personnes qui s'intéressent au rythme de l'utiliser, pour mesurer justement les capacités, encore une fois, perceptuelles et sensorimotrices des personnes, et puis l'appliquer aussi dans des projets de recherche vraiment variés, que ce soit pour mesurer des normes comme on le fait ici, mais aussi pour mesurer peut-être des populations qui sont plus... qui sont moins majoritaires, comme par exemple les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, etc. C'est toujours une belle occasion de montrer notre projet et puis d'acquérir plus d'expérience en recherche et puis surtout de rencontrer plein de belles personnes et d'entendre des belles présentations.